Aujourd'hui, pour finir Minecraft, je vais devoir poser des questions à une intelligence artificielle. Du style, comment finir Minecraft en 5 minutes? Ou alors, comment récupérer des yeux de l'Under sans passer dans le Nether? Et honnêtement, les réponses qu'il m'a données étaient étonnamment précises. Dans tous les cas, un robot va contrôler mon jeu et ça c'est marrant. Ok, j'apprécie un spawn vraiment pas fou. Voilà, ça pue. Mais c'est pas grave, aujourd'hui on tue une mouche. Même ça, j'y arrive pas. J'ai dit, on tue une mouche. Voilà, merci. Ah, ça m'a donné un asticot. D'accord. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, une IA va m'aider à finir Minecraft. Donc aujourd'hui, on va utiliser ChatGPT pour m'aider à finir Minecraft, parce que j'ai plein de questions à lui poser. On va voir s'il arrive à y répondre. Spoiler, je pense qu'il va pas réussir. Ok, ça commence direct. Bonjour, à partir de maintenant, une intelligence artificielle va t'aider à finir Minecraft. C'est simple, tu pourras poser n'importe quelle question à cette IA et tu devras utiliser ses réponses pour avancer dans le jeu. C'est-à-dire, attendez, je peux utiliser que ses réponses pour avancer dans le jeu ou je peux quand même avancer tout seul? Tout est autorisé. L'ajout de mode ou l'utilisation de triche. Oh, ça, ok, c'est incroyable. Vous savez pourquoi c'est incroyable? Je vais carrément tricher. J'en ai rien à faire. On va essayer de faire Minecraft en 2 minutes 32. Bon, vu que l'intro fait déjà au moins une ou deux minutes, bah, je suis foutu, mais tranquille. Attention, tu n'as le droit qu'à 3 questions par interrogation. Pas sûr de comprendre, mais je suppose que j'ai le droit de lui poser 3 questions sur la question que je lui ai posée. C'est un peu compliqué, mais je pense que vous allez comprendre. Bam, on se retrouve sur ChatGPT. Ne faites pas attention au nom, j'ai pas pété. C'est juste que... j'aurais pas dû faire cette blague nulle. En tant que joueur de Minecraft depuis des années, on va lui poser une question toute simple. Comment finir Minecraft comme un mec cool? Je pense que honnêtement, c'est la meilleure question qu'on peut lui poser, donc on va lui poser ça. Oh mon dieu, il est en train de m'écrire un pavé entier, mais j'ai pas demandé ça, après moi je vais devoir lire, hein. Bon, je suis dans la merde parce qu'il m'a vraiment écrit un milliard de trucs, là. On va voir ce qu'il m'a dit, ça va être marrant, je pense. Il n'y a pas de façon cool de finir Minecraft, car cela dépend de ce que signifie pour vous la fin du jeu. Certaines personnes considèrent la fin du jeu comme défaire l'Under Dragon. Bon, effectivement, je lui ai dit comment finir Minecraft, mais j'aurais juste dû lui dire comment tuer l'Under Dragon. Cependant, si vous cherchez à terminer le jeu de manière impressionnante, vous pouvez essayer de... Et là, il me propose 4 options pour finir Minecraft. Et on va faire la numéro 2, vaincre l'Under Dragon, bien que ça soit pas le seul objectif de Minecraft, la défaite de l'Under Dragon est un accomplissement important. Oui, donc là, il vient de m'autoriser à finir le jeu, si vous avez compris le principe de la vidéo, là. Mais j'ai le droit de lui poser des questions dans les questions. Et on va lui demander... Comment bien commencer Minecraft? Parce que c'est vrai ça, est-ce que je commence bien? Qu'est-ce que c'est que ces machins? Pourquoi j'ai ça sur mon Minecraft, bordel? Mais ils sont en train de se buter carrément là-bas là! Ok, on va lui demander comment bien commencer Minecraft. Très curieux parce que je ne sais pas ce qu'il va me répondre. Ok, il m'a proposé 7 solutions, j'ai carrément la flemme de tous les lire. Mais je viens de voir que la numéro 3 et 4 m'intéressent. Collecter des ressources et créer des outils. Donc là, une intelligence artificielle vient de m'autoriser à prendre des ressources et à créer des outils. Hein. C'est incroyable la technologie! Je me demande comment elle va finir cette vidéo parce que j'ai des questions vraiment lunaires. Je me demande si l'intelligence artificielle va m'autoriser à tricher. On se fait une pioche et une hache, nickel. Je vais aller voir les... Je sais même pas ce que c'est, des macaques. Aucune idée de ce que c'est, mais... Oh là... Ça a l'air terrifiant. Ah ! Pourquoi j'ai fait ça? Je me fais... Note à moi-même, arrêtez de tuer tout ce qui bouge. Bon, c'est bien beau tout ça, j'ai mes outils, je me suis fait tabasser par un orang-outan ou je ne sais quoi. Et si on commençait les choses sérieuses, genre trouver un village? Bon, on va essayer, mais je vais demander à mon pote ChatGPT voir ce qu'il en pense. Alors, j'ai une question toute simple, donne-moi des astuces pour trouver un village. C'est simple, s'il me dit pas cherche des citrouilles, c'est le pire truc au monde. Ok, on y va, on va voir ce qu'il va me dire. Voici quelques astuces pour trouver un village dans Minecraft. Explorer les alentours, utiliser des cartes, utiliser une graine de monde, écouter les bruits et utiliser des commandes. Non mais attendez, ça c'est parfait, parce que ça veut dire que j'ai le droit d'utiliser le slash locate maintenant. C'est trop bien. ChatGPT me dit exactement, si vous jouez sur PC, vous pouvez utiliser des commandes pour trouver des villages. La commande slash locate village peut être utilisée pour trouver les villages le plus proche. Et ben merci mon pote, parce que grâce à toi, je peux utiliser la commande. Donc si je fais un petit slash locate village, le village le plus proche se trouve à 1383 blocs. On va s'y TP parce que ChatGPT m'a autorisé, et ça c'est trop bien, je meurs pas. Ouf. Let's go, speedrun de trouver le village le plus... Il y a des alligators dans le village, c'est pas ouf du tout. Mais on va pouvoir récupérer de la nourriture, etc, etc. C'est bon, il y en a un tout petit peu. Bon, il y en a pas non plus 10 millions, mais il y en a un petit peu. Je récupère ça, je casse la gueule au golem et on peut avancer pour la suite. D'accord, il est bugué, c'est pas très grave. Tu vas juste mourir, hein. Nickel, les ressources importantes ont été récupérées et j'ai trouvé un village grâce à ChatGPT, ça c'est incroyable. Bon, c'est marrant, on a vu comment trouver un village. Qu'est-ce que tu fais chez moi toi? C'est chez moi maintenant, dégage. On a vu comment trouver un petit village, etc. Mais là on va voir s'il arrive à me trouver un stuff. Eh, faut partir d'ici, hein. Arrêtez de rentrer chez moi, c'est chez moi maintenant. Non, on va pas aller dans les grottes, on va demander à ChatGPT comment on trouve du stuff. Genre il va me dire d'aller dans les grottes, je suppose. Dégage, c'est chez moi. Imaginons que je lui demande quelle est la façon la plus rapide d'obtenir du diamant. Qui est-ce qui va me répondre à ça?
Je suis très curieux. Donc on va entrer ça, on va voir ce qu'il va me dire. Il m'a fait un giga pavé, mais c'est abusé. Il y a plusieurs façons d'obtenir du diamant rapidement dans Minecraft 1.18, mais cela dépendra de vos styles de jeu. Voici quelques méthodes courantes pour trouver du diamant rapidement. Et là, il m'a fait une liste avec 5 possibilités, mais il y en a une qui est incroyable. C'est la numéro 3 et elle me dit utiliser un détecteur de diamants. Vous pouvez utiliser un détecteur de diamants pour vous aider à trouver des diamants plus rapidement. Les détecteurs de diamants sont des blocs qui émettent un signal de redstone. Mais c'est trop chelou, il y a pas ça dans Minecraft en fait. Pourquoi il m'a proposé ça? Mais attendez, c'est une dinguerie. Donc avec cette réponse, moi je me suis dit un truc assez basique. Ça veut dire qu'il m'autorise à utiliser X-Ray. Je suis curieux de voir en combien de temps je trouve un full stuff diamant. Mais faut déjà que je trouve une mine et ça c'est un peu chiant. Oh, je suis pas mort. Oh, je suis pas mort. Pour ça, voilà, pour faut pas miner sous ses pieds. Oh, la faille de malade. Mais c'est nasalé de fou, wesh. Mais je suis choqué de la grotte, là. Hein. Elle est incroyablement stylée. Je suis terrifié aussi. Je suis tombé de 42 étages, là. ok, bon, c'est bien beau. Là, je suis en couche combien? Je suis en couche 8 ou 9, donc ça va. Ok, là, je peux trouver des diamants. Je vais mettre le X-Ray, on va voir ce qui se passe. Hein. X-Ray Ultimate 1.19. Je ne sais pas du tout si ça fonctionne. C'est genre la troisième fois que j'utilise ça. J'espère que c'est la bonne version et que ça fonctionne. Waouh, ça fonctionne giga bien. Ouais, mais j'aurais pas pensé que c'est aussi quali. Genre, regardez, je vois de fou les diamants. C'est abusé. Let's go, à moi le full stuff en moins de 3 minutes et demie. Je comprends pourquoi les gens utilisent X-Ray. C'est vachement cheaté. Alors, j'ai déjà utilisé des X-Ray à l'ancienne. Mais ils étaient pas aussi qualitatifs que celui-là. Hein. Ça me cache même pas les blocs. Ça veut dire je sais où marcher exactement pour pas mourir. Ok, pour l'instant, j'ai 2 diamants. De souvenir, un full stuff, c'est 23. Donc, on va farmer ça en légende. Ça va me prendre 5 minutes, mais bon. Parti. Ok, normalement c'est les derniers diamants, si je dis pas de conneries. C'est extrêmement rapide, je suis choqué, ça m'a vraiment pris 5 minutes. Bien sûr les enfants, ne trichez pas, c'est mal. Peut-être pas le mieux placé pour dire ça, mais le faites pas. Hein. Je vais gentiment pouvoir enlever mon X-Ray et remonter à la surface. Hein, si j'arrive à la retrouver, ok la surface est là. Père, on est retourné en haut. Hop là, le ressource pack qui dégage, nickel. Encore une fois, merci à ChatGPT qui me donne des conseils assez incroyables pour venir Minecraft. Perdre de temps, on va se faire full stuff diamant. Bam, voilà, là je suis classe là. Il y a un axolote. Abusé, mais comment c'est trop stylé. Salut les creepers. Bon, je vais me récupérer 3 de fer pour me faire une. Bah, je sais pas, une hache. Comme ça, au moins, j'aurai mes outils en fer et c'est le minimum. Aïe. Bon, c'est stylé l'endroit, mais c'est envahi de mobs. Lâchez-moi, wesh. On va pouvoir passer à la prochaine étape du speedrun. Chercher les yeux de l'end. Ça va être giga chiant à faire, mais je me demande comment il va réagir, ChatGPT. Trouve-moi la meilleure façon de speedrun sur Minecraft. Je sais pas, je vais poser une question comme ça, on va voir ce qu'il dit. Quelle la hache c'est fait. On remonte à la surface, on se casse de là. Putain, dégagé, j'en ai marre de miner là. Je sais même pas où je suis, je sais même pas si je suis au bon endroit. Vous savez quoi? Je vais faire un truc que j'ai pas le droit de faire, mais je vais le faire. Imaginons que je lui demande, donne-moi une commande qui me fait spawn une pioche cheat. Depuis tout à l'heure, j'essaye de tricher, mais il le sait pas trop. Là, je vais directement lui demander de me donner un truc cheaté. Très curieux de la réponse qui va me sortir. Hein. Oh là, il m'a sorti une réponse du futur. Je suis désolé, en tant qu'assistant IA, je ne suis pas autorisé à fournir des commandes de triche ou des astuces pour Minecraft. Cela va à l'encontre de l'esprit du jeu et peut gâcher l'expérience de jeu des autres. Mais c'est quoi cette réponse du futur? Là, il vient de me regarder, il vient de me dire, tu la fermes et tu triches pas. Mais c'est une giga dinguerie, je suis choqué. J'ai peut-être une autre idée. Au lieu d'écrire cheat, je vais écrire puissant. Donne-moi une pioche, blabla. Est-ce qu'il va me donner la pioche puissante? Oh, oh, attendez, là, il me fait un truc giga intéressant. Voici la commande qui vous permettra de faire apparaître une pioche puissante dans Minecraft. Et il m'a donné la commande, la vraie. Unbreaking, efficacité, mending et fortune. Je peux même copier-coller. Mais c'est une vraie dinguerie. Donc là, ChatGPT vient de me créer une commande pour me give une pioche full enchante. Je sais pas si vous vous rendez compte. Oh, ça me l'a vraiment donné. Mais ça remplace l'humain, là, littéralement, ChatGPT. C'est une giga dinguerie, ce truc. Oh là là, c'est abusé. Bientôt, les robots, ils vont contrôler le monde, hein. Je suis très sérieux là-dessus. Ok, on va pouvoir rentrer à la maison beaucoup plus facilement. Ok, j'atterris dans l'eau. Je suis où, là? Oh, je suis juste dans mon village. Ok, c'est parfaitement parfait, ça. On va pouvoir dégage de chez moi. C'est chez moi maintenant, toi. Va-t'en. Non, mais oh là, on va pouvoir dormir, voilà. Bon, la prochaine étape, c'est d'aller fumer le dragon. Mais j'ai encore envie de tester le ChatGPT, là. À votre avis, est-ce que je peux faire en sorte qu'il m'installe des mods sur mon Minecraft? C'est simple, faut que je réfléchisse à un truc que je peux lui demander. Bon, alors en vrai, j'ai pas trop d'idées, mais on va trouver un truc. Attendez, je vais demander un truc pour buter l'alligator. Pourquoi pas essayer de choper le mode de pistolet de Monsieur Crayfish? Je pense que ce mode d'arme, c'est le plus connu de Minecraft, donc il devrait pas avoir de mal à le trouver. Si j'écris, puis-je obtenir un pistolet dans Minecraft? Je suppose qu'il va me dire qu'il faut installer des mods. Enfin, j'espère. Alors, il m'a dit un truc assez logique. Il n'est pas possible d'obtenir un pistolet dans la version de base
base de Minecraft. Minecraft est un jeu orienté vers l'exploration, la survie et la construction, blablabla. Ça, je m'y attendais à ce qu'il me dise ça, mais juste en dessous, il m'a dit un truc de fou et c'est ça que je voulais voir. Cependant, il existe des mods, modifications apportées au jeu par des joueurs, qui ajoutent des armes à feu au jeu, y compris des pistolets. Ok, donc là, il a compris que je parlais de l'existence de pistolets. Mais à votre avis, est-ce qu'il va me donner un mode de pistolet? J'ai une idée pour ça, on va lui demander quel est le meilleur mode d'armes dans Minecraft. J'ai pas meilleure question, donc je sais pas si ça va le trouver, mais j'espère que oui, hein, je suppose. Il vient de me sortir une réponse, je m'y attendais pas du tout. En tant qu'assistant IA, je n'ai pas la capacité de déterminer le meilleur mode d'armes de Minecraft en version 1.18, car cela dépend des préférences individuelles des joueurs et des types d'armes qu'ils préfèrent. Et juste en tout ça, il me donne une liste de modes populaires. Mais j'ai le seum, il me parle pas des pistolets de Mr. Crayfish. Bon, c'est pas grave, on va quand même les ajouter vu qu'il a parlé de mode d'armes. Voilà, j'ai une arme et j'en ai rien à faire, le crocodile là. Ça dégage. Bon, à partir de maintenant, finir Minecraft est devenu un petit peu plus simple. J'ai envie de tester un truc de fou. Si je lui demande de me trouver la solution pour obtenir des Unlunders le plus vite possible, est-ce qu'il va me répondre d'aller dans le Nether, etc. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc là-bas, là? Je crois qu'il y a une tour de Pillager, mais je suis pas sûr qu'il y a une tour de Pillager. Je vais aller m'amuser. Wesh. Boum, ça dégage. Ça dégage aussi là-bas, là. Vous êtes tous les Pillagers, je vous fume. Il y en a pas d'autres, là? Je suis un peu deg. Bon, c'est pas grave. On va lui demander de me trouver la meilleure façon d'obtenir des Unlunders. Allez, c'est parti. J'ai réfléchi à la question et elle est toute simple. Comment récupérer des yeux de l'End sans passer par le Nether? Je sais pas ce qu'il va me répondre, mais je pense qu'il va me dire que c'est pas possible, hein. J'ai pas d'autre solution. Alors, il m'a fait 3 petits pavés, et ça a l'air d'être assez vaseux comme explication. Les yeux de l'Under sont des objets nécessaires pour localiser et accéder au portail de l'End, pour combattre l'Under Dragon. Cependant, si vous cherchez une façon de récupérer ces yeux de l'Under sans passer par le Nether, il existe une alternative. Alors là, je suis très curieux de ce qu'il va dire, parce que je ne connais même pas l'alternative. Je sais pas s'il mytho, mais on va voir. Dans la version 1.18 de Minecraft, il est possible de trouver des coffres de fin dans les forteresses de l'End. Ces coffres peuvent être contenir. Mais attendez, mais il raconte que de la merde là. Là, il a totalement bugué. Là, je l'ai fumé. Comment obtenir des yeux de l'Ender avec des commandes? Si avec ça, il comprend pas ce que je veux, ça va être compliqué là. Mais le plus important, c'est qu'il m'a donné la commande pour me give les yeux de l'Ender. Donc avec ça, je peux continuer mon aventure rocambolesque et puis voilà quoi. Donc je vais me give les petits yeux de l'Ender et ça, c'est cool. Bam, c'est bon, je me suis give. Allez, direction l'End. Je sais pas du tout. C'est par là-bas. Ok, je m'en fiche. Qui veut se fight là? Toi, tu veux te fight? Ça dégage. Merci, à plus. Je suis le roi du monde. Ok, nickel, le portail a été trouvé. Oh, je prends la perle au cas où. Oh, c'est pas le portail qui a été trouvé, mais j'ai trouvé le stronghold. Ah, j'entendais. Oh, c'est un nouveau record du monde, je l'ai trouvé en 3 secondes et demie. Je suis trop heureux, normalement ça me prend 10 ans à trouver ces trucs là. Attendez, je vais quand même mettre un lit là, j'ai peur de mourir. Voilà, nickel. Alors avant de rentrer et fumer l'Ender Dragon, j'ai une dernière question à lui poser. Je suis curieux de voir s'il peut m'apprendre des commandes marrantes sur Minecraft que je ne connais pas. Donc je vais lui poser une simple question. Donne-moi des commandes marrantes. S'il arrive à trouver des trucs drôles, je serai l'homme le plus heureux au monde. Il m'a donné 5 commandes assez particulières. Genre la deuxième par exemple, c'est remplissez l'inventaire du joueur avec des objets aléatoires. Ok, d'accord, c'est intéressant. La troisième, c'est transformer tous les joueurs en bébés. Attendez, je suis trop curieux de tester celle-là. Attendez, je vais tester parce que c'est particulier quand même. Ok, je viens de rentrer la commande. Je me sens pas plus bébé qu'avant, hein, donc c'est du mensonge. Mais vraiment bizarre la commande aussi. C'est trop bizarre. Cette vidéo a duré trop longtemps là. ChatGPT, il m'a bousillé le cerveau. Bon, j'ai la chance d'avoir un flingue, donc ça va vraiment être expéditif, mais d'une violence. Si je lui tire dessus, je pense que je peux le fumer. On va quand même détruire les cristaux par principe. Mais bon, hein, je crois que j'en ai vraiment pas besoin. Ok, c'est bon. L'Ender Dragon, je te fume maintenant. Ah ouais, non, en fait, je lui fais pas tant de dégâts que ça. Hein. Ça fait des dégâts, mais c'est pas fou en vrai. C'est pas fou du tout. J'ai trop envie d'essayer d'autres armes, en fait. Je vais utiliser d'autres armes. Ok, je viens de me donner un sniper, je crois. Oh, ça lui fait déjà un peu plus de dégâts. Ah, il veut quoi l'Underman? Non, c'est un peu la merde là par contre. Ah, j'ai qu'une hache pour le tuer lui. Bouge pas trop Under Dragon. Je dois te fumax. Pas grave, on va attendre qu'il parte, hein. Dépêche-toi de te. Ah, je vais le tuer au corps à corps. Allez, c'est bon, ça m'a saoulé. Allez, Under Dragon, tu meurs. Merci. Elle était compliquée cette survie, je vais pas vous mentir. Ma money donc gigue gigole. It fold. I like to see you wiggle wiggle for sure. It make me want to eat what you know. Why did my fiat? We have Fiat 6 feet 2 in a compact.